Vidéo spéciale sur Egan Hero Chill, un nouveau tactical RPG en 3D, très intéressant, très beau. Il rejoint la ligue des jeux dans le même style que, enfin pas dans le même style, mais dans le même style graphique que Hyzergazer, PGR et j'en passe, du coup Punishing Raven, tous les jeux dans le même style graphique. Et vous allez voir par vous-même que le jeu m'a l'air vraiment intéressant. Et vous allez voir par vous-même que le jeu est intéressant. J'espère que la vidéo va vous plaire. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir, les amis. Sur ce, on se retrouve directement après le téléchargement. Voilà, l'installation s'est terminée. J'ai bégayé un peu. On aura sûrement le tuto à faire. Ah ok, il n'y a qu'un seul serveur, 357 MS. Ok. Bon après, c'est une bêta plus ou moins fermée, ouverte, du coup c'est normal. Et on est de retour. Vous avez besoin d'avoir d'un VPN pour vous connecter au jeu et d'une adresse mail. Bien sûr, l'adresse mail n'a pas besoin d'être valide. N'importe quelle adresse mail marche, bien sûr, juste besoin d'un VPN et de vous connecter sur la Malaisie. Après avoir activé le truc. Une fois connecté, vous désactivez votre VPN et vous êtes tranquille pour le reste de la bêta. On ne sait pas combien de temps la bêta dure et on va directement tester. Cette première impression pour le jeu m'a l'air vraiment très très jolie. Le jeu m'a l'air prometteur pour un jeu tactical. Mais c'est pas du tactical tour par tour, hein. C'est du tactical un peu unique dans son genre, bien sûr. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir, les amis. Ok. J'ai coupé un petit passage, les amis, c'est totalement normal. C'est parce que fallait que je désactive le VPN. Et voilà. Du coup, là, on est en in-game. Direction le tuto après les invocations. Je me suis pas trop fait spoil sur les animations, hein, des invocations et des compétences. Je voulais découvrir avec vous. Du coup, là, on passe toutes les cinématiques, toutes les cutscenes, etc., etc. Parce que sinon, la vidéo sera un peu longue avec le tuto et tout. Le tuto, les invocations, plus amélioration et tout. Du coup, le mieux, c'est qu'on puisse passer directement les cinématiques et tester le jeu avec le fameux gameplay. Je pense que là, les graphismes ne sont pas en max, hein. Les graphismes ne sont pas en max vu que c'est le tuto. Oh, très joli. Les voix sont. Ok, je vous mets juste un peu plus les voix. Les voix sont intéressantes, hein. Pas mal du tout, hein. Oh, très joli pour un jeu qui n'est pas en full qualité. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, j'accepte. J'adhère, j'adhère. Ok. Pour ceux qui se demandent quel VPN j'utilise. Je suis NordVPN, du coup, si vous avez un VPN gratuit sur Android, bien sûr, vous avez KiwiVPN, si vous avez besoin d'un VPN. Ou sinon, vous tapez tout simplement Malaysia VPN, vous allez pouvoir en trouver un. Bien sûr, le jeu reste en bêta, c'est une bêta ouverte, hein. Tout le monde peut y jouer, sauf que les serveurs sont en Malaisie. Ok, bon, on va prendre notre blaze. Ok. Adventure, ok. Ok, c'est pas un monde ouvert, du coup c'est tranquille. C'est un semi-open world, on pourrait appeler ça comme ça.
Les OST sont vraiment pas mal, hein. On passe parce que sinon ça va durer une plombe. Ok, ça se passe comme ça. Comme ça. On confirme. Long fight. Ok, il y a le mode auto. Intéressant. Intéressant, ça c'est bien. Oh, c'est bon. Ça, c'est un jeu auquel je pourrais jouer, hein. Parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas de mode auto et j'allais être un peu réticent sur... cette action, ce move de la part des devs, parce qu'on est quand même sur un jeu mobile qui plus est tactical et RPG. S'il n'y a pas de mode, s'il n'y a pas de mode auto, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ah, graphiquement, il est bien réussi. Graphiquement, il est bien réussi, surtout que là, j'ai pas les graphismes au max. On est libre sur la caméra. Ok, c'est pas mal. On apprécie l'effort des devs. Pour le moment, le jeu, c'est un bon 8, 9 sur 10. Pour un jeu de ce style. Ok. Pas mal. Ça, c'est un soin normalement, non? Ouais, ça, c'est un soin. J'aurais pas dû l'utiliser maintenant. Ah, il y a un style de combo qui nous permet de faire plus de dégâts. C'est pas mal. J'adhère beaucoup, vraiment. Pas mal, pas mal. Vraiment pas mal. Ok, on y va. Et Liv. Liv, c'est parti. Pour le moment, on est à 5 minutes de tuto. 5 minutes de tuto. Ok. Je pense qu'on va faire les 10 minutes de tuto avant de terminer le tuto et de pouvoir invoquer. On peut pas. Ah voilà, on peut. À part s'il nous oblige à faire le combat. Ouais, il nous oblige à faire le combat, ok. Du coup, on est obligé de faire le Kalanke Manor. Ah là, j'ai que deux persos du coup. Ah, un troisième perso. Ok, c'est pas mal. Ok. Je vais couper un peu ces passages, ils vont être longs sinon. Ok, je pense que j'ai terminé le tuto de combat. Et du coup, on va aller voir un peu ce que donne le jeu. Wish. Ouais, c'est ici. Comment ça marche? Draw? Ah, c'est un truc d'astrologie du coup. Ok. C'est une multi ou une single là?
Ouais, c'était bien single. Ok, maintenant qu'on a terminé, il nous... Ah, faut qu'on refasse un combat. Ok, bon. Les amis, réellement, le tuto est très 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 long. J'ai pas encore terminé. J'ai cut au moins 10 minutes de tuto en sachant qu'il y avait déjà 5 minutes et j'ai toujours pas terminé. Ok. On a tout débloqué. Je crois que j'ai terminé le tuto. Plus ou moins. C'est le moment de pouvoir aller invoquer, je pense. Le roster des personnages, du coup, la box. Là, on va améliorer. Ok, c'est bon, on a terminé. Nous avons tout terminé ici. Il y a même des events, ok. Et on lit parce que... Ok, c'est-à-dire qu'on peut payer? On peut payer, c'est-à-dire qu'on va garder nos trucs. Ok, c'est pas mal. On récupère. On enlève ça. Alors, moi, je crois que c'est ici. Là, le caractère, ok. Mail. We save. Ok, c'est-à-dire qu'on a une multi, c'est pas mal. On va partir sur Wish, je crois que c'est ça. Ah non, on a deux multis, c'est très très bien, on aime. Bon, on découvre, je connais pas les unités à avoir. Ok, Baozeng, Shadow, Euphoria, Mireya. Bon, on commence avec celui-là. Du coup, le max d'étoiles qu'on peut avoir, c'est 5. 5? Et pourquoi là c'est 3? Ok, bon, on va voir. Je connais pas encore le système. Le système d'invocation, je connais pas encore le système de rareté. Du coup, je découvre. Je crois que je drop. Non, je drop pas. Ok. Ok. Il est le 2 étoiles. Il m'a pas l'air d'y avoir de fake out. Il y a deux monnaies différentes, ok. Bon, on fait notre deuxième multi. Normalement, là, on drop sur ça. Ok. Ah, c'est cette animation qui confirme le truc. Ok. Et il pop à la fin. Je sais pas si c'est possible d'en avoir plusieurs dans le même multi. Ok. Et du coup, elle pop à la fin. Ok, Cam, comme. Que fait cette unité? Il l'invoque, c'est ça? C'est un contrôleur et un attaquant, un bon DPS, quoi. Ok, bon, ça sera tout pour ce petit test, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir.
Le lien de téléchargement est disponible, comme je vous l'ai dit, dans la barre de description. Vous avez besoin d'un VPN pour vous connecter au jeu, pas besoin de VPN pour le télécharger. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!